Air frais, liberté, obscurité. Parfait. Comment on va fêter ça? Je connais quelques pauvres musées sans défense. Ceci étant dit, je connais aussi un ou deux hôtels. La nuit n'est pas encore finie. Il reste beaucoup à faire. J'aurais dû m'en douter. Tu sais comment casser l'ambiance. Ça t'arrive de prendre une nuit de repos et d'enlever ta tenue? Pas pour des nuits comme ça, Selina. C'est mon boulot. Bon. Eh bien, je vais piller une ou deux galeries d'art pendant que le grand méchant Bat a les mains prises. Tu ne me remercies pas? Pourquoi? C'est ton boulot. Ah, chevalier noir, on dirait que tu gagnes le droit d'être tué de mes mains mécaniques. Mais que c'est ça. Ce n'est pas un affrontement équitable. En fait, tu n'as littéralement aucune chance de gagner. Oh, j'aimerais pouvoir dire que j'ai trouvé notre rivalité à sens unique, intellectuellement stimulante, mais à vrai dire, je suis lassé depuis belle lurette. Te tuer ici me permettra enfin de me lancer dans des projets plus formateurs, plus savants. Au revoir, l'été. Il ne manquera pas. Je dirais bien. Trop dur pour toi? Petit ennemi. Qu'est-ce qui est mécanique, meurtrier et rouge des pieds à la tête? Je vais te soustraire de cette équation. Parfait. Attention à la désintégration! Nous sommes gênés pour vous deux, sincèrement! Tu ne devrais pas! Tu es vaincu! Tu es battu! Et tu es à moi! Tu es prêt à être vaporisé? Désolé, Eddie, mais j'ai comme l'impression que tu triches. Non! Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas ton combat, Kat! Eddie, mon chou, c'est toi qui m'as invité, tu te rappelles? Et ensuite, tu m'as ligoté à une chaise. Tu n'étais pas invité. Et dire que tu me prends pour une... Chingo l'hydraulique! Hit! Essaie un peu de casser ce bras-là! Essaie! Tu ne peux pas me vaincre! Non, 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 mon plan! Mon plan! Abruti! Tu as perdu, détective! Hé, petit-petit, relève ce défi! Coucou, petit-petit! Tu as résolu toutes mes énigmes? Comment? Brûle, Batman! Oh, j'adore te voir échouer! Il y avait tellement d'énigmes! Tu n'as pas pu toutes les résoudre! Allez, on n'a pas de temps à perdre! Mes androïdes sont indestructibles! C'était parfait! La victoire parfaite! Thank you.
répression intellectuelle enfin ici. Quelle couleur préfères-tu ? Ta présence ne faisait pas partie de mon plan. T'arrives à suivre ? Changement de programme. Tu veux une invitation ? Tu finiras ensemble. Pouvoir vaincre mes crêpes. Merci, Selina, pour ce sauvetage de la dernière chance. C'était un geste héroïque. Je m'en sortais très bien. C'est ça, oui. Maintenant, sois une bonne jeune demoiselle et accorde un baiser à ton vaillant héros. Joue pas à ça. Toi, tu ne joues pas du tout. Non, c'est vrai. Je ne joue plus. Et ça veut dire quoi, au juste ? Ça veut dire que c'est fini, Selina. Ça veut dire qu'on ne peut pas. Je ne peux pas. Toi et moi, on se reverra, n'est-ce pas ? Je dois disparaître. Gotham a besoin de quelque chose de plus radical pour la protéger. Il lui faut un nouveau mythe. Une légende plus puissante que je ne peux l'être aujourd'hui. Une légende qui ne pourra naître que des cendres de Batman. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire seul, Bruce. Et certaines qu'on doit faire seul. Appelle en cas de besoin. Je ne le ferai pas. Je sais. J'avais besoin de le dire. Où suis-je ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Quelqu'un d'intelligent. Je suis sûr que tu peux. Woman, c'est elle. Elle m'a volé la victoire. Je ne pouvais pas gagner. Le combat n'était pas loyal, même selon tes critères. C'était loyal. Ce n'est pas parce que tu es un des plus le codage des robots, de décrypter leur système d'exploitation et de reprogrammer leur routine de combat, que tu as le droit de demander de l'aide. C'est toi qui as besoin d'aide. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Terminus, Nigma. Ah ! J'aurais pu arriver là deux fois plus vite. Tiens, une devinette. Qui est-ce qui est vert, prétentieux et qui s'est fait botter le train ? Très drôle, c'est à cet ordre. Je n'aurais pas besoin d'avocat, petit agent de supérette. Je me défendrai tout seul. Juste une chose, agaçant Chiropter. À chaque fois que tu réussis mes épreuves, j'en apprends un peu plus sur tes réflexes. Plus tard, l'une de mes énigmes aura ta peau. C'est super, Batou. Eddie n'a pas besoin de soins psychiatriques. Non. Os qui craque, porte qui claque, c'est le remède miracle. Malin d'emmener la fille ici, Batman. Autant que tu la butes tout de suite.
dame de Gotham représente la justice et la protection. C'est l'endroit idéal pour le test final d'Azrael. La sécurité future de Gotham est en jeu. Réfléchissez avant de prendre votre décision. C'est quoi cet engin? La chauve-souris? Demi-tour! Oh, non! Sale nuit, hein? Oh, je sais ce que c'est, Brucey. J'avais un vieux remède pour que ça aille mieux dans ces cas-là. Le meurtre. Je suis prêt à relever ton dernier défi. C'est le plus difficile. Reste concentré. Je te félicite, Azrael. Tu as réussi le test. Je te contacterai quand j'aurai pris ma décision. Il n'y a pas de décision à prendre, Batman. Je suis déjà prêt. Je décide de comment ça se passe, pas toi. À chaque instant que tu perds, Gotham sombre un peu plus profondément dans l'abysse. Dépêche-toi de te décider ou elle sera perdue à jamais. Monsieur, nous avons établi l'identité d'Azrael. Son véritable nom est Michael Lane. Il était un officier du GCPD avant d'être mis à pied en raison de troubles psychologiques. Ensuite, il semble avoir disparu de la surface du globe. C'est sans doute là qu'il a été recruté par l'Ordre de Saint-Dumas. Décidément, c'est de plus en plus étrange, monsieur. Le bat-ordinateur a détecté une anomalie dans la physiologie de Lane. Je n'avais encore jamais rien vu de tel. Envoyez le dossier à la tour de l'horloge. Je l'analyserai là-bas. Très bien, monsieur. Qu'est-ce que tu crois qu'on va trouver dans la cervelle d'Azrael, Batou? Va savoir. Il y a peut-être un bouffon maléfique là-dedans. Je transfère tout de suite les données sur Michael Lane. Je ne suis pas neurologue, monsieur, mais je crois pouvoir affirmer que cette chose ne fait habituellement pas partie d'un cerveau. C'est un microprocesseur implanté par chirurgie pour manipuler son lobe temporal. La région du cerveau qui sert à stocker et accéder aux souvenirs. Quel souvenir, monsieur? C'est ce qu'on va voir. Azrael, protecteur de la foi, défenseur de la pureté. L'Ordre de Saint-Dumas protège Gotham depuis plus de 500 ans. Et c'est désormais à toi que revient cette tâche sacrée. Pendant des années, tu as étudié le Chevalier Noir.
apprenant ses stratégies, analysant ses tactiques, décryptant ses moindres gestes. L'heure est enfin venue d'accomplir ta mission. Retrouve Batman. Prouve que tu es son digne et vaillant successeur. Ce n'est qu'une fois que tu auras gagné la confiance de Batman que tu deviendras enfin maître de ton destin. Ses intentions semblent nobles, monsieur. Pensez-vous que ses souvenirs aient été altérés? Je le crains. Alfred, j'ai déjà vu ce symbole à Arkham City. C'est le langage sacré de l'ordre. Ils ont implanté des marqueurs dans la mémoire de Lane pour modifier inconsciemment sa conduite. Si je trouve les autres marqueurs, je pourrai recréer la forme d'onde et découvrir le message. En analysant ce marqueur, j'ai reconstitué une partie de la forme d'onde. Ça marche. J'ai reconstitué une autre partie de la forme d'onde. J'y suis presque. Il ne doit plus rester qu'un marqueur à analyser. Voilà. La forme d'onde est complète. Je devrais avoir accès au message. Le Chevalier Noir est un obstacle pour notre cause. Il empêche le mal de Gotham d'affronter la véritable justice divine. Quand tu auras fait tes preuves, attends le moment opportun et élimine-le. Prends la place qui t'est due en tant que gardien de Gotham. Un gardien entièrement dévoué qui n'aura de cesse de protéger cette ville. On peut dire qu'ils ne mâchent pas leurs mots, n'est-ce pas, Maître Bruce? Et comment l'arrêter? Oh que non. Lane. Lane est mort. Je suis Azrael, chevalier de l'Ordre de Saint-Dumas. L'Ordre n'a fait que te mentir. Il t'a ôté ton libre arbitre. Menteur, tu fais entrave à la véritable justice. On est du même côté, Michael. Non. Non. Je sais qui je suis. Je sais très bien ce que je fais. Dans ce cas, le choix t'appartient. Protecteur de la foi, tu sais ce que tu as à faire. Le Chevalier Noir doit mourir. La lame t'appelle, Azrael. Tu es son seul et unique maître. Débarrasse-toi de lui, et Gotham sera tienne. Élimine Batman. Tue-le. Ça aurait pu se terminer autrement, Michael. Le choix t'a toujours appartenu. Ces méthodes ont été perverties par le mal. Il t'a perverti, Michael.
tu ne vaux pas mieux que ce que tu crois. Où t'a mené ton précieux code, en fin de compte? Tu as failli à ton devoir envers cette ville trop longue. En avant, Lane. Profite bien de cette victoire. Ton temps est révolu, Batman. Le mal s'est répandu à Gotham sous ton égide. Les mauvais ont prospéré. Une puissance supérieure doit intervenir. La justice divine doit être rendue en ces lieux. Pour ton argent avec sa lui puissance. Les hommes de double face cambriolent la banque de Gotham à Chinatown. Il est hors de question qu'ils partent avec la moindre petite pièce. Tu crois que tu vas trouver cette arme ? Le chevalier connaît la ville de toi. Face veut récupérer jusqu'au dernier. Face ne m'entendront pas avec l'alarme. Pas besoin d'être furtif. Je peux les frapper vite et fort. Tout cet argent. On était sûr que tu viens. Écoute, Batman, j'ai besoin de cet argent. C'est difficile de trouver un travail honnête avec ce visage. Tu fais de nous des monstres, pour ensuite nous traquer comme des bêtes. Je vois Batman, il est sous nos pieds. Il passe par les grilles au sol. Un autre gars à terre. Mais il est toujours vivant. C'est bien ça, Batman. Très louable, tu es encore de respecter les règles. Bon, les gars, on dirait bien que la banque est infestée de chauves-souris. Puisqu'on vient de faire un gros retrait, on peut être occupé de ce problème pour eux, vous croyez pas? Verrouillez les portes et trouvez-le! Celui qui fera la peau à ce fumier me ramènera son cadavre, doublera sa part de butin. Double face nous a enfermés. Ce n'est plus l'argent qui intéresse les malfrats, c'est moi. Et il n'y a pas d'alarme pour couvrir le bruit de mes attaques. Bordel ! On a des hommes à terre de tous les côtés ! Ils nous mènent reculés ! Tu peux me dire comment on est censé combattre si on le voit même pas ? On peut rien pour lui. C'est fini. Ouvrez bien l'œil. Batman, tu ne comprends pas. La banque de Gotham blanchit de l'argent pour la perdre. Ce qu'il en reste. Tu te rappelles la paix, toi. Les gars qui nous ont brûlé la moitié du visage parce qu'ils ne pouvaient pas t'attendre. D'accord. Tout cet argent n'est pas sale. Mais reste-t-il quelque chose de pur dans cette ville? Alors ne t'approche pas des bancs. Tu
Cash, les hommes de double face ont attaqué la banque de Gotham à Chinatown. Pouvez-vous désactiver les grilles de sécurité et venir les cueillir ? Pas de problème. J'envoie une voiture tout de suite. L'alarme a retenti dans l'agence de Drescher de la banque de Gotham. L'équipe de double face tente sa chance, monsieur. Je croyais qu'elle se laisserait dépérir sans le Joker. C'est Batman, il a un tank, bordel! Je sors de là! Allez, allez, les gars, on se bouge! On va être plus là, on va très vite regarder, on va pour sa part. Enfin, c'est deux parts. Le son de l'alarme couvrira le bruit de mes attaques. Pas besoin d'être subtil. On va y arriver, les gars. Un par un comme un lâche, il devrait se montrer se battre comme un homme. C'est moi, un homme.
J'arrive pas à y croire. Je crois que quelque chose a bougé en bas. Batman, dans le sol. On va débuster ce rat volant. Envoyez les chars. 3, 2, 1. Je vais voir le gars qui l'a mis KO. Bonne idée. Hein? Un mec en moins! Par ici! Pas encore! Ce pauvre taré croit qu'il nous fait peur! Bon Dieu! T'inquiète pas, je l'aurai ce fumier. Batman, je savais que tu ne laisserais pas passer ça. Tu te souviens quand j'avais des principes? Quand j'ai dit à Gordon qu'il fallait t'arrêter, qu'on ne devait pas travailler avec les justiciers? Tu m'avais promis qu'on éradiquerait le crime à Gotham, et ce, dans l'année. Est-ce que je faisais partie du plan? Où est-ce que j'étais? Diversion. Le petit avocat sur lequel la pègre pouvait concentrer sa haine, pendant que toi, tu menais ta guerre. Dernière chance. Hors de mon chemin. Je m'occupe de toi personnellement. Cash, la banque de Drescher est sauvée. Il faut escorter les hommes de Dent. Tout de suite. Cette nuit, on va établir un record, les gars. Ah, et puis même deux, tiens, pour faire plaisir au boss. Comme tout à l'heure, ces malfrats sont assourdis par les alarmes. Je peux les frapper sans retenue. Continuez à envoyer le fric. Un homme à terre, ne vous laissez pas avoir. Vous laissez tranquille, mon ami. Ne m'approchez pas. Autrement. Mais c'est pas un prêt, prenez le flic.
maintenant. Mais bon, oubliez Batman, continuez de charger le fric. Ce n'est qu'un homme, tuez-le. Comment tu fais, Batman, pour jouer au héros alors que tu laisses de côté des hommes comme moi? C'est pas sorcier, on se magne, on prend l'argent, on se tire d'ici. Bill, tu perds, Batman. Et ces messieurs vont s'occuper de toi. Ramenez-moi son cadavre! Il n'y a plus d'Ala. Le bruit de mes attaques, je dois être silencieux. J'ai capturé Double Face. Je vous l'amène. Occupez-vous de ces hommes. Tout de suite, Batman. Calme-toi, Dente. Ne m'appelle pas comme ça. Je refuse de le croire. C'est un monstre par ta faute. Ce n'était pas ma faute. C'est pourtant toi qui as mis le lanceur d'acide sur le banc des accusés. Tu disais qu'on sauverait Gotham. Je regrette, Harvey. C'est terminé, Dent. Sache que je n'abandonne jamais la partie. Touche pas au boss, Batnaz. Oui, on te le répétera pas deux fois. Gardez votre salive. On aura notre chance.
Ce ne sera pas de si tôt. Il faut toujours que tu essaies de maintenir l'équilibre de la justice, hein, Batman? C'est impossible! Pense à tous les crimes que tu as manqués pendant... Alors, Harvey, ça roule? Je ne veux pas paraître indélicat, mais je me suis toujours demandé... Est-ce que tout chez vous est partagé en deux? Pareil que ça s'est pas bien passé sur le dirigeable. Je vais à la tour de l'horloge, Alfred. Transférez-moi les données de la Batwing dès que l'analyse sera terminée. Très bien. T'as vu ce que j'ai vu? C'est Batman! Accélère! Alfred, envoyez-moi les images du scanner embarqué de la Batwing. Très bien, monsieur. Comme vous pouvez le voir, la Batwing a terminé le balayage orbital de Founders Island, mais toujours aucun signe du déluge. Naturellement, je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation. Oh, une seconde, monsieur. Je reçois un appel d'urgence provenant des studios de cinéma. Batman, j'espère que vous m'entendez. Les studios de cinéma sont envahis. Robin est en danger. Écoutez-moi bien. Vous devez verrouiller la pièce. On ne doit pas laisser les infectés s'échapper. Bien sûr. Dites-moi ce que... Henry! Ça suffit, les bêtises! Hé, regardez qui arrive après la bataille. Comment ça va, Batnaz? Ça fait un bail? Harley Quinn. Ça alors, tu te souviens de moi? C'est bizarre. Parce que tu as tué la seule chose que j'ai jamais aimée. Et maintenant, je découvre que tu as gardé en secret toute une génération de Joker. Eh oui. Malaise. Ne fais pas ça. Ils sont instables. Oh, ils sont instables. Tu devrais peut-être te regarder dans la glace à l'occasion. Alfred, il faut que j'aille au studio de cinéma. Faites vite, monsieur. Maman lunatique, la vie de Robin est peut-être en jeu. Je t'avais dit qu'il fallait liquider cette bande de sosies de bas étage. Ils n'ont pas intérêt à tuer Robin, Batou. C'était mon idée à moi. Tu vois, je pensais pas le dire un jour, mais je commence à en avoir marre des émeutes. Je te fasse un dessin? C'est que comme le Joker. Ah,
Ouvrir. Échec de l'empreinte vocale. Accès refusé. Bien essayé, Batman. Harley a changé le code d'accès vocal. Je peux me servir du modulateur que j'ai trouvé sur le chauffeur du chevalier d'Arkham pour synthétiser sa voix. Regardez qui arrive après la bataille. Comment ça va, Batnaz? Ça fait un bail? Calibrage vocal terminé. Je vais pouvoir imiter Harley et ouvrir la porte avec le synthétiseur vocal. Ouvrez! Il a dû se passer un truc. La radio est peut-être foutue. Si j'apprends qu'ils sont en train de fiancer, je vois Gros Hal leur arracher les bras et les jambes! Je le sens pas. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un les a tous cueillis! Ah, c'était cette saloperie de chauffe pourrie débile! Rail automatique pour couvrir l'entrée. Et c'est même pas la peine de penser à redescendre tant qu'il est pas mort. C'est bien compris? Il faut que je sécurise le toit. Je peux utiliser le synthétiseur vocal pour manipuler les hommes d'Harley. Pauvre Harley. Vérifiez le générateur. Hol copie, alors que je suis juste là, sous ta peau. Ça me laisse quand même perplexe. Comment elle a pu trouver ta batte base top secrète, Batou? Elle qui peinait à trouver son reflet dans une glace de mon vivant. Peut-être que quelque chose l'empêchait de s'évanouir. Il ne suivra pas mes ordres tant qu'il sera occupé. C'est parti, les gars! La vilaine chauve-souris est de retour. Essaie de refaire ça si tu l'oses, Batman! C'est trop tard pour lui. Mais on trouvera celui qui a fait ça! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tout le monde va bien? Ouais, c'est que... Bonheur, vous trouvez pas? Vous trouvez ça marrant? Il est pas là. Prêt à nous tomber dessus? Pas de panique, on essaie de pas se perdre. Vérifiez le gène. C'est ça, pas après ce qui est arrivé à l'autre gars. Nous contre Batman, comme au bon vieux temps. Le Joker serait fier. Eh ben, ça a pas pris longtemps. Le prochain idiot qui se fait avoir aura l'honneur de servir de punching ball à Croal. Harley nous a gonflé à bloc, Batman. On est prêt à se venger. Tu crois qu'on s'est ramolli, Batman? Parce que le Joker est plus là? Passer.
Voilà pour les hommes de main. Maintenant, il faut que je m'occupe d'Harley. De souvenirs. Toi, moi, et tout un pavillon de tueurs psychopathes. Tu te sentais à ta place, avoue. Oh, arrête ton char. Tu te crois différent parce que tu n'as jamais tué personne. Flash spécial, tu m'as tué. J'étais là, tu te rappelles? Tu as détruit mon antidote, juste sous mon nez. Tu m'as regardé m'étrangler de rire. Ensuite, après m'avoir tué, tu as dit que tu aurais... Tu ne pouvais pas reconnaître ma victoire, même pas en cadeau d'adieu. Mais je suis dans tes entrailles maintenant. Et on sait ce qu'il en est. Oui, tu as déjà tué. Et cette nuit, je t'aiderai à le refaire. Voilà, le grand méchant Batman. J'ai pas compris. Je ne peux pas donner d'ordre avant d'avoir choisi une cible. Mais pourquoi pas toi? On a mis du temps. Tu t'es laissé dépasser. Alors c'est tout ce que t'as. Si ça te dérange pas, on a perdu le contrôle. Ce sera pas long. Les infectés, où est-ce qu'ils sont? Ils sont pas infectés. C'est des Jokers. Ils sont avec Harley. Et ils partiront pas avant de te voir mort. Comment elle nous a trouvés? Comment elle est entrée? Je lui dirais si j'étais toi. Il est pas toujours de si bonne humeur, tu sais. J'en sais rien, moi. Oh, elle doit être plus maligne que ce que tu crois. Ça m'étonnerait. On consulte le bat-ordinateur. Bonne idée. Je vais boucler tout le bâtiment. Personne ne sort tant qu'on n'a pas retrouvé les infectés. Elle est juste entrée comme ça. On n'a pas eu d'alarme. La reconnaissance vocale doit pas marcher. Peut-être. Aucun signe de piratage. S'ils sont toujours là, le système de reconnaissance faciale les trouvera. Les voilà. Albert King est dans le décor de Western. On dirait qu'il s'équipe pour faire son comeback. Ils ont emmené Christina Bell dans le décor de Maison Hantée. Harley a posté des gardes armés pour la protéger. Charisma est sur le plateau de tournage. Je n'arrive pas à savoir ce qu'il manigance. Bon, on sait où ils sont. Il nous reste plus qu'à les ramener. Ça devrait être facile, non ?